بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله Mes chers frères d'Iran qui êtes venus de tous les coins de l'Europe et des États-Unis d'Amérique ainsi que du monde arabe en Afrique et en Asie nous voilà aujourd'hui réunis nous sommes plus nombreux que 100 000 à célébrer, à commémorer un jour. Nous commémorons un jour très sombre dans le souvenir des militants, des résistants de l'Iran à l'oppression de la dictature religieuse des Mollahs. Il y a 10 ans, et pour des raisons sordide de transactions commerciales, une rafle policière a été injustement organisée de bon matin contre toute la résistance présente à Auvers-sur-Oise. Depuis, tous les tribunaux occidentaux, tribunal américain, tribunal anglais, tribunal français, Cour de justice européenne, ont désavoué cette rafle scélérate qui s'est abattue injustement sur la résistance iranienne. Malheureusement, et à la suite du départ des troupes américaines de l'Irak, c'est-à-dire de la passation de la responsabilité de la protection des résistants iraniens en Irak est passée au gouvernement irakien, nos frères des moudjahidines du peuple résidant à Ashraf ont été l'objet d'une pression de tous les jours, de tous les jours, ponctuée par de furieuses agressions militaires qui ont coûté des dizaines et des dizaines de morts et des centaines et des centaines de blessés. En juillet 2009, à la suite de la mascarade qui a eu à Téhéran sur les élections. En avril 2011, le 9 février 2013, des roquettes ont été lancées au nombre de 70, faisant plus d'une dizaine de morts, et encore des roquettes. Plus la résistance iranienne engrange des succès, plus elle est exposée aux agressions d'un pouvoir politique de Téhéran moribond. Car la communauté internationale s'est émue devant ce qui se passe à Ashraf et devant la menace contre les habitants d'Ashraf et du camp Liberté. Le silence ou l'inaction devant ce qui est un risque de crime, de désastre humanitaire, correspond à une triple faute. Une triple faute sur le plan d'abord légal, parce que de par des accords internationaux entre l'ONU, les États-Unis d'Amérique, le HCR, le gouvernement irakien, les habitants d'Ashraf devaient être protégés. Or, ils sont réunis maintenant dans un camp de concentration et ils sont exposés quotidiennement à une tentative réelle d'éradication. La deuxième faute est à caractère politique, car ce que fait le régime des Mollahs en attaquant les habitants d'Ashraf, il est en train de défier la communauté internationale et il est en train de défier notamment la puissance la plus grande, c'est-à-dire l'administration américaine. Et l'administration américaine, faute de réagir vigoureusement et faute de faire le nécessaire pour assurer une protection absolue à ses habitants, elle est en train d'apparaître comme étant cédée ou se mettre à genoux devant le défi des Mollahs. Et ceci n'est pas sans conséquence sur la crédibilité des États-Unis d'Amérique dans le maintien de la stabilité et de la paix dans la région. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons entendu tout à l'heure
Nous avons entendu tout à l'heure dans le discours inaugural de notre sœur, Madame la Présidente Maryam Rajavi, nous l'avons entendu exposer les 10 points du programme de l'OMPI. Je les reprends rapidement. Le suffrage universel, le pluralisme en politique, l'abolition de la peine de mort, la séparation de la religion et de l'État, l'égalité des hommes, l'égalité entre les hommes et les femmes, la parité en faveur des femmes dans la politique, l'indépendance de la justice, le respect des minorités et de l'égalité, la propriété privée, tout ça, ce n'est pas un programme qui est improvisé, c'est un programme que vous voyez concrètement dans la ville de la cité d'Ashraf. Ashraf est un projet emblématique. Ashraf n'est pas seulement emblématique de la résistance iranienne, elle est aussi emblématique de la concrétisation du programme que se fixe l'OMPI quand demain l'Iran recouvrera sa souveraineté et sa liberté. Et c'est pour ça que je demande à tous les amis européens, occidentaux, à tous les amis arabes et musulmans, de répandre cette véritable image de la résistance iranienne qui malheureusement est souvent très déformée. La réalité de l'image de la résistance iranienne, vous la trouvez inscrite dans la réalité d'Ashraf. Et c'est pour ça que le régime des Mollahs, veut éradiquer la Ashraf. Donc, encore une fois, au nom du comité arabo-musulman de défense des habitants d'Ashraf, au nom des milliers de personnes qui soutiennent cette résistance en Europe, dans le monde arabe et aux États-Unis d'Amérique, je crie vive la résistance iranienne, à bas la dictature et à bientôt, Inch'Allah, la même fête à Téhéran.